tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis hyper contente. J'ai pas beaucoup de temps pour faire l'intro parce qu'on va s'en aller. On va faire un truc incroyable. Je vous avoue, ça m'était même pas venu à l'idée parce que pour moi, tout est mauvais. En fait, là, on va aller dans un refuge pour les éléphants. Le problème de tous ces trucs avec les animaux, pour moi, dans ma tête, c'était que de l'exploitation et que de la maltraitance animale. Donc ça ne m'était même pas venu à l'idée. Mais en fait, comme je vous ai dit, ici dans l'appartement, le propriétaire est un Français. Donc on a énormément discuté. Il nous a conseillé pour les arnaques par arnaque et il nous a parlé de ce refuge qui recueille les éléphants qui ont été maltraités, donc que ce soit par d'autres organisations pour les touristes où tout le monde monte sur les éléphants et c'est hyper mauvais, ou des éléphants en fin de vie. Du coup, tout l'argent qu'on paye pour y aller, c'est 100% pour ces éléphants là, pour les nourrir, pour s'en occuper, etc. C'est vraiment une association. Mais du coup, j'ai trop hâte, je n'ai jamais vu d'éléphant de ma vie. Mais c'est incroyable, il nous explique tout, il nous explique que c'était difficile pendant le Covid parce qu'il n'y avait pas de touristes, et en fait comme c'est une association, c'est que l'argent des touristes qui fait qu'ils peuvent donner 300 kilos par jour. 300 kilos de nourriture par jour. Par éléphant, il y en a 13, voilà. Mais apparemment ça va un petit peu mieux vu qu'il y a quand même un petit peu plus de monde que l'année dernière. Ils nous racontaient en fait chaque histoire de chaque éléphant, il y en a qui étaient dans des espèces de cirque, ont appris à danser, il y a plein d'histoires. Enfin, en fait c'est vraiment triste, mais on voit qu'ils sont trop bien ici. Je vais vous montrer ça. On l'avait déposé hier. C'est 1€ le kilo pour laver, sécher, repasser. C'est incroyable. C'est tout nickel. Tu vas être bien dans tes trucs. Je suis en train de me mettre de la crème parce que je vais aller bronzer. Pour la première fois depuis que je suis arrivée, je vais m'exposer au soleil. On vient tout juste de rentrer. C'était incroyable. J'avais jamais vu d'éléphant déjà. Et surtout, c'était trop cool de pouvoir vraiment les voir dans leur milieu naturel, nous expliquer s'ils ont envie de manger, on leur a mangé, s'ils ont envie de se balader, faut pas rester avec eux, etc. Enfin, c'était vraiment hyper sain. C'est à peu près 75€ par personne si je me trompe pas, donc c'est un prix, mais pour moi c'est un budget à compter dans ces vacances parce que c'est vraiment à faire. C'est de l'argent pour les animaux, donc c'est pas un attrape-touriste quoi, et ça fait plaisir. Ce soir il se passe un truc trop bien, je vais vous montrer bien si. Et voilà, aujourd'hui c'est quand même une journée assez détente. De vivre ici et voir ça tous les jours. Vous savez que en gros il y a un resto où, bah, je vous l'ai montré dans le dernier vlog, là où il y a les petites nouilles et tout là à manger trop bonnes. Et bah en fait on peut commander sur Uber Eats parce que tout t'es en taille, genre c'est incompréhensible. Du coup Jérémy il a envoyé un DM au restaurant pour leur demander de nous traduire direct en taille les deux plats qu'on prend, et du coup c'est bon, on va se faire livrer à manger, moi avant mon coup de soleil. Une maman qui fait des photos genre pour sa famille. On a bien mangé et là, meilleur moment de la journée. Cette journée, c'est la journée genre de rêve, de A à Z. Je vais aller me faire masser. Faut savoir qu'en Thaïlande, tu peux te faire masser pour 5€ l'heure. Ce n'est pas une blague et croyez-moi, c'est les meilleurs massages du monde. Et après, dans 2 heures, on a un truc de prévu. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Mais là, je vais aller m'habiller vite fait et aller me faire un massage. Je sors de la douche, j'ai fait mon massage, je peux pas vous expliquer à quel point c'était le meilleur massage de ma vie. En gros, depuis que je suis arrivée, je fais que des foot massages. Et en fait, là, j'ai testé le full body à l'huile. Je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Elle m'a fait des trucs de ouf, genre me tourner genre comme ça. Il y a tout mon corps qui a craqué, c'était absolument incroyable. Et j'ai payé 8€ pendant 1 heure, c'était incroyable, incroyable. Là, comme le propriétaire de la maison est français, c'est cool de lui poser plein de questions, et en plus il est vraiment de bons conseils parce qu'il habite là depuis des années et des années et des années. Il proposait en fait d'amener un chef à la maison qui nous fasse que des spécialités thaï, des trucs incroyables, et il nous a dit ce sera l'expérience de votre vie, donc on l'a cru. On fait ça ce soir, c'est pour ça que je me prépare, parce que c'est une journée spéciale. Là c'est une chef étoilée, dites-vous que c'est 60€ par personne. Est-ce que vous réalisez? Dans certains restaurants à Paris, c'est le prix de votre repas. Donc j'ai vraiment hâte de goûter, de voir ce que ça donne.
dit qu'elle était chef au Four Seasons. Mais c'est dingue. On est sous choc. Depuis tout à l'heure, tout est trop bon. On en est au deuxième, deuxième étape, mais on sait déjà que c'est bon, ça. C'est incroyable. Mon soupe préféré de tous les temps, c'est les soupes. Alors peut-être que c'est ma soupe préférée. C'est mon soupe préféré depuis le début. Ah ouais? Ouais, trop bon. Je pense que c'est le meilleur jour de notre vie entière. Éléphant, massage, chef. C'est quoi ça? Je n'ai pas les mots. Je ne m'attendais pas à ce que ces vlogs de Thaïlande se passent comme ça. C'est un délire. On a mangé trois plats pour l'instant. Et quand on pense au fait que c'est 60 euros par personne, c'est fou parce que c'est une chef du Four Seasons. Elle a avec un assistant avec elle. Elle a tout installé dans la cuisine. Elle te sert tout. Elle t'explique toute l'histoire de chaque plat. Franchement, c'est du délire. Je goûte comme ça, avec les doigts. C'est comment manger une crevette? Sorry. Il y a vraiment un goût. Je sais pas ce qu'ils mettent, il y a un truc qui a toujours le même goût. J'ai pas les mots. Là, je suis en train de me dire qu'elle va partir, je vais me pleurer. Il est un petit peu plus tard, je sors de la douche. Je me suis redouchée parce qu'il fait trop chaud. Je transpire trop pour aller dormir comme ça. J'ai passé, franchement, une des meilleures journées de ma vie. C'était incroyable. C'est la première journée où j'arrive à me détendre. Pour de vrai, sans penser à plein de trucs, sans rien du tout. Donc c'est trop trop bien, je me sens trop bien. Donc je suis hyper contente et j'espère que ça s'est vu en vidéo et que ça vous a fait du bien aussi. Et franchement, je suis hyper contente. Là, je suis toute fatiguée. On va aller regarder un film dans notre lit avec Jérémy. On regarde, je crois que c'est The Impossible, je sais plus si c'est ça le titre. C'est le film sur un tsunami qu'il y a eu en Thaïlande et je l'ai déjà vu. Mais du coup, je voulais que Jérémy le voie vu que c'est dans le thème, c'est super. Mais en vrai, je sais pas, c'est cool. On regarde ça à chaque fois, on s'endort devant. Enfin, je m'endors devant. Donc on est obligé d'arrêter et là, j'espère qu'on va pouvoir le finir ce soir. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifs, c'est important parce que YouTube ne met pas en avant. Tant qu'on n'active pas les notifs, donc n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait très plaisir. Il y a encore deux vidéos en Thaïlande qui arrivent, donc je pense que ça va être très cool. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, je suis active bien évidemment tous les jours. Et j'essaie de répondre au maximum de vos messages. Et on se dit à dimanche dans une prochaine vidéo.